retour sur les remparts. Magnifique panorama sur la mer, la marée basse. Vous allez à marée haute, ça monte très vite. On va faire une photo tous les deux. Hop là. Brigitte. Hein, elle avait Saint-Michel. Super. Immense. Il y a quelque chose du pour des soupirs là. C'est la vue qu'on a depuis en haut. Right, go down there. Look down there. La ronce, je sais pas, c'est la ronce qui se passe là-bas. Oh non, I meant like taking panel. I mean, look at the. If there's a picture worthy. Yeah, maybe not. Vu depuis la terrasse. Alors, la longue histoire du Mont Saint-Michel aurait commencé en 708, lorsque Aubert, évêque d'Armanche, fit élever sur le monton un sanctuaire en honneur de l'archange. Le mont devint rapidement un lieu de pèlerinage majeur. Au Xe siècle, les bénédictins vinrent s'y installer à l'abbaye, tandis qu'un village se développait au contrebas. Il s'étendit au XIVe siècle, jusqu'au pied du rocher. Place forte pendant la guerre de Cent Ans, le Mont Saint-Michel est aussi un exemple d'architecture militaire. Ses remparts, fortifications, résistèrent à tous les assauts anglais et firent du mont un lieu symbolique de l'identité nationale. Après la dissolution de la communauté religieuse à la Révolution, et jusqu'en 1863, l'abbaye fut utilisée comme prison. Devenue monument historique en 1874, elle fut l'objet d'une grande restauration. Depuis, les travaux ne sont plus interrompus sur l'ensemble du site. Ils permettent aux visiteurs de retrouver la splendeur de l'abbaye que les hommes du Moyen-Âge voyaient comme une représentation de la Jérusalem céleste sur terre, image du paradis. Depuis 1959, le Mont Saint-Michel est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
On a visité l'intérieur de la ville. Voici l'intérieur de la basilique. Le tableau nous représente les quatre apôtres. Merci. Cloître intérieur. Nous sommes ici dans le réfectoire des moines. Les moines se réunissaient. Et puis qu'ils mangeaient son ensemble. Ici, c'est la salle des hôtes. Voilà, côté jardin. Ja, ja, ik kom maar kijken. Er zijn heel veel mensen daar. Ja. Kun je doorheen kijken. Ik zie. Kom maar kijken naar onze dingen. Mam, wacht mij even. Das Meer ist einfach futsch.